And this is from your visit, when they visited in Paris. There's on parades and then indoor something else. Mm-hmm. C'est la dernière fois que j'ai vu. Here's the translator. Ah oui, bien sûr. J'ai vu Frankie. Bonjour. Bonjour, bonjour. 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 A coffee, please. Black coffee. Thank you. Si vous voulez, monsieur. De la télévision de la chaîne 3. Oui. Donc, peut-il poser les questions en anglais et vous allez répondre en français? Ou c'est comme vous voulez, parce que je peux. Je préfère que vous me traduisez. Exactement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quitos. Quitos, quitos. Quitos, mademoiselle. Je sais que j'ai ton gros moniteur et je vais attendre l'espace. Ok, oxymétro. L'installation, le moniteur. Très bien. C'est très bien, vous êtes professionnel, ça c'est super ça. Vous demandez un peu plus cadré, plus serré que ici. Voilà. Elika, bien Max Kuva. Voilà, là c'est bien. Merci. Toivoksen, että kuva on kokonaisemman kokoinen, onko sillä väliä? Préférez-vous que ça reste toujours le même, hein? Oui, oui, le même. C'est le même. Ok, rien. Pas quand vous voulez, on ferme peut-être la porte pour qu'il n'y ait pas de bruit. Hän halusi rajata sen pois, valitettavasti. Juonossa kyllä kerrotaan, missä tapahtuu. Tervetuloa Suomeen. Mitä saamme kuulla perjantaina Turussa? Minkälaisia lauluja? Des anciennes chansons et surtout je vais essayer, j'espère. Je chantais deux chansons en finnois, enfin moitié finnois et moitié français, Le Caprice d'enfant et L'hymne à l'amour. Tulette kuulemaan vanhoja lauluja. Tulen laulemaan kaksi laulua suomeksi. Caprice d'amour ja sitten Hymni rakkaudelle suomeksi, puolittain suomeksi. Mistä tällainen rohkeus suomen kielen käyttöön? Avez-vous eu le courage d'utiliser le finnois? Bah écoutez, j'avoue que c'est vrai que c'est pas facile. Mais je suis une personne très tenace. Et quand l'année dernière j'ai chanté Le Caprice d'enfant en finnois, je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs. Parce que le public était tellement sensible, j'ai senti, il était tellement heureux qu'une personne étrangère puisse chanter dans sa langue, qui n'est pas une langue facile, je l'avoue. Ça a été un plaisir, un cadeau pour moi extraordinaire. Alors, j'ai voulu que cette fois-ci, le cadeau soit encore plus beau. Et donc, j'ai appris l'hymne à l'amour aussi en finnois. Ce n'est pas facile non plus, mais bon, je crois que j'ai la chance, grâce à Dieu, de faire un métier que j'aime. Et aussi, c'est une forme de courtoisie pour le pays qui me reçoit. Et j'ai toujours été merveilleusement reçue en Finlande et en Turquie. Et je suis très heureuse, il n'y a pas de problème, bon, comme tout. Je chante dans 9 langues et bon, il faut travailler comme tous les métiers. Mais bon, moi, c'est la chance de faire un métier que j'aime passionnément. Et bon, c'est un immense plaisir pour moi. Eli kun edellisellä kerralla lauloin suomeksi, niin yleisö oli hyvin haltioissaan ja otti sen vastaan kuin lahjana. Ja yleisön tämä vastaanotto, lämmin vastaanotto oli niin kuin lahja minulle. Ja minä tulen aina erittäin mielelläni Turkuun ja turkulainen yleisö on ottanut aina hyvin vastaan. Laulan 9 kielellä ja suomeksi laulaminen ei ole ollut ollenkaan helppoa, mutta olen hyvin sinnikäs ihminen. Ja Jumalan armosta ja Jumalalle kiitos, että voin tehdä sitä työtä, mistä pidän. Olette laulanut monia duettoja, levyttänyt monia duettoja Polankan ja Barry Manilon kanssa. Onko teillä suunnitelmia uusiksi duetoiksi? Vous avez chanté à deux, donc avec le nom mentionné là. Avez-vous l'intention de refaire des chansons à deux? Oui, monsieur a souligné que j'avais fait des duos avec Polanka, Barry Manilow. J'en ai fait beaucoup sur scène aussi avec Tom Jones, Ella Fitzgerald, avec beaucoup d'artistes, Dean Martin. Et pour moi, c'est toujours gratifiant de faire des duos, c'est très agréable. Et j'espère que j'aurai l'opportunité de faire encore des duos.
minusta se on aina hyvin kiitollista työskennellä kahdestaan ja toivon, että minulla tulee olemaan tulevaisuudessakin tilaisuus tehdä kahdestaan. Teillä ei ole mitään konkreettisia suunnitelmia tai kenen kanssa ehkä haluaisitte laulaa duetta? Mais vous n'avez pas de projet concret de faire des duos? Non, là, non, mais mes projets d'avenir, c'est donc après, je rentre samedi sur la France. Je prépare un single en allemand et toute une équipe allemande, la première chaîne allemande, ARD, vient à Paris pour me filmer pendant une semaine sur Paris, sur la France, donc avec des comédiens et des personnalités allemandes très connues, donc mais tout en allemand. Minun lähitulevaisuuden suunnitelma on se, että kun lauantaina palaan Pariisiin, niin tulen nauhoittamaan singlen saksaksi. Ja sitten Saksan televisio tulee tekemään minusta Pariisissa ja Pariisista viikon ohjelman. Uusimmalla levyllä esitätte muun muassa Barbara Streisandin tunnetuksi tekemiä kappaleita. Miksi juuri Streisand? Dans mon album dernier, je ne sais pas quel est l'album dernier qui est sorti ici, mais puisque monsieur parle de Barbara Streisand, la dernière chanson que j'ai enregistrée d'elle est La femme amoureuse que je chante également sur scène. J'ai pour elle une très grande admiration et c'est quelqu'un qui chante merveilleusement bien. C'est extraordinaire comme elle chante. Entä Edith Piaf, olette kertonut, että Piaf on ollut teille yksi omista suosikeistanne aivan lapsesta asti. Mitä Piaf nyt teille merkitsee? De votre prime enfance, Edith Piaf a été quelqu'un que vous avez toujours admiré. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle représente maintenant? Pour moi, Edith Piaf est une grande dame de la chanson française, inimitable, personne ne pourra la remplacer. Elle est unique. Et elle est toujours présente par ses disques, soit par la radio ou la télévision. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai débuté, de chanter des chansons d'elle. C'est comme ça que j'ai été connue. Et c'est pour cela que j'ai souhaité faire un disque pour lui rendre hommage. Voilà. Jos vielä ajatellaan omaa elämääne, ehkä siviilielämääne tai uraanne, minkälaisia suunnitelmia teillä on tulevaisuudessa koko elämääne varten? Et dans votre vie en privé, quels sont vos projets futurs? Privé, de ma vie privée, je n'en parle pas, mais ma vie tout court privée, c'est la chanson. Donc ça fait partie de ma vie. C'est des voyages, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un album, après un album français, après je dois chanter au Vatican pour le pape au mois de décembre. Je vais retourner chanter en Italie, je vais beaucoup en Italie. Après là, je vais aller en Chine, beaucoup voyager. Varsinaisesti yksityiselämästäni en halua puhua, mutta yksityiselämästäni jatkan laulamista ja laulua. Tulen käymään Vatikaanissa ja sen jälkeen vielä Italiassa ja käyn Italiassa hyvin usein. Eli saamme nähdä teidät ehkä tulevaisuudessakin Suomessa konsertoimassa. Donc nous allons vous voir encore une fois en Finlande. Je l'espère, si Dieu le veut, bien sûr, et le public aussi, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Merci. Merci, Kitos. Ça va? Merci, monsieur. Merci. Ça va pour vous, monsieur? Oui. Kitos. Voilà, nous allons rester ici jusqu'à ce que les bagages. Tommy. T-O-M-Y. T-O-M-I. Ah. Pas le truc, mais I. Tu n'as pas le. Par contre, elle aime bien contrôler ma salle. Je crois que ça ne marche pas. Là-haut, oui. Non. Mathilde, peux-tu me donner ton crayon? Argent, donne-moi l'argent. Voilà.
Oui, j'essayais sur un morceau de papier. Voilà. Oui. C'est mieux. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre gentillesse. Très bien. Ah oui, les partitions.